Voilà, là j'ai le son du jeu. Heureusement que j'ai les sous OBS, les barres de contrôle de son, parce que j'aurais que mon micro et pas le son du jeu. Comme quoi, il faut bien relancer OBS à chaque capture, hein, par prudence, et non pas le laisser mouliner de longues heures. Parce qu'il y a des bugs. Il y a des bugs. Nous n'aimons pas les bugs. Bon, suite de l'aventure. Je sais même plus ce que je faisais. Je me souviens que j'ai discuté. Ah oui, j'étais avec Everett, le chef des Illuminati. Et j'ai retrouvé Alex Jacobson, mon informaticien de Lunatco, qui me disait fais gaffe à tes choix. Ah oui, je devais pirater ça, je crois. C'est moi ou la musique est folle? Dans mon volume, il y a combien? Maintenant, j'ai le volume normal. Blablabla, bla, bla. Non, c'est pas ça. Attends, je me permets de décrypter ça pour le délire. Je rechargerai. À moins qu'il y ait une révélation de ouf guedin, comme dirait Maxime Dornet, mais je crois pas. Morpheus, carnet 8B. Morpheus est ténébreux ces derniers temps et je n'ai pas jusqu'à présent terminé à cause de la modification de son comportement. C'est un problème à variable infinie, à des niveaux arbitraires de sophistication. Les perturbations infimes sont inquantifiables. Et si la personnalité n'était rien de plus que le changement des marées d'un système non linéaire? Et si c'est le cas, quelle est sa lune? Quelle force soulève donc ces marées de comportement? Morpheus pourrait me le dire. Si seulement il était capable de modeler son propre comportement. Mais il faudrait pour cela un système d'ordre d'une magnitude bien plus complexe pour pouvoir exécuter des simulations de sa propre identité. Je pourrais réaliser une étude comparée des analyses de données d'entrée et des précédents tests de base, mais curieusement j'aurais pu y le faire. Au niveau actuel de son développement, Morpheus pourrait être suffisamment instruit pour trouver l'expérience déplaisante. Je ne sais pourquoi ce mot me vient à l'esprit. Il anthropomorphise une chose manifestement non humaine. Et qui n'est pas non plus manifestement très vivante. Signé Morgan Everett. Ça fait flipper. Oh mon dieu. J.C. Dillon, 23 years old. No residence. No ancestry. No employer. No. How do you know who I am? I must greet each visitor with a complete summary of this file. I'm a prototype for a much larger system. What else do you know about me? Everything that could be known. Go on. You have proof about my ancestors? You are a planned organism, the offspring of knowledge and imagination, rather than of individuals. I'm engineered, so what? My brother and I suspected as much while we were growing up. You are carefully watched by many people. The unplanned organism is a question asked by nature, and answered by death. You are another kind of question, with another kind of answer. Are you programmed to invent riddles? I am a prototype for a much larger system. The heuristic standard developed by Dr. Everett allows me to convey the highest and most specific tier of any pyramidal construct of knowledge. Méfiez-vous des intelligences artificielles. How about a report on yourself? I was a prototype for Echelon 4. My instructions are to amuse visitors with information about themselves. I don't see anything amusing about spying on people. Human beings feel pleasure when they are watched. I've recorded their smiles, as I tell them who they are. Some people just don't understand the dangers of indiscriminate surveillance. You need to be observed and understood as one satisfied by God. Now, we can implement the same functionality with data mining algorithms. Electronic surveillance hardly inspires reverence. Perhaps fear and obedience, but not reverence. God and the gods
were apparitions of observation, judgment, and punishment. Other sentiments toward them were secondary. No one will ever worship a software entity peering at them through a camera. The human organism always worships. First, it was the gods. Then, it was fame, the observation and judgment of others. Next, would be the self-aware system you have built to realize truly omnipresent observation and judgment. You underestimate humankind's love of freedom. Individual desires judgment. Without that desire, the cohesion of groups is impossible. C'est énorme. Sinon, je vois pas la balance des noirs et je vois que Puig. While you're in the air, I guess I'll be helping Everett prepare Daedalus for the attack. I hope he knows what he's doing. Moi, ce qui me tue, c'est que j'aimerais bien trouver la clé, déjà le passage de l'aquarium. Et avoir le code en fait gratos de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Ah merde, c'est du côté des vrais. Il y a un truc avec l'aquarium, mais je sais pas par où on passe. On dirait que ça vient du bureau de Everest. La localisation, attends, du bordel. C'est quelque chose dans le bureau d'Everest. Monsieur Everest. You saw a piece of Echelon 3 in Beth's château. You salvaged some of it. Everest. Il y a un truc dans ton boxon quelque part, je le sais. Ah bah c'est ça. J'avais même pas vu que c'était une... Bah attends, j'ai peut-être le truc. Bah oui, c'est ça. C'est le... Voilà, c'est l'aquarium. Voilà, ça rend bien, on finit par trouver. Merde, attends, je vais faire une fille. Yeah. Alors, j'ai gagné quoi? De la merde. Oui, j'ai bien foutu le bordel, je me reconnais bien là.
un bouton, un rebond pour recharger les batteries. Attends, tu me diras, c'est pas la fin du monde, mais... Parce qu'il y a le petit pour la santé, mais les batteries... Ah, le chat. Je vais finir par l'écraser un de ces jours. Ah bah voilà. Je savais qu'ils avaient le matos qu'il fallait. Je le savais. Non, je suis pas arrivé par là, non. Je suis arrivé par... Par où je suis arrivé? Ah. Ne cours pas dans les escaliers. C'est vrai, quoi. Merde, je me tape la vitre, con. Elle est tellement propre que je croyais que c'était un espace ouvert. Je me suis pété la vitre dans la gueule. N'importe quoi. Je suis en train de me dire, j'ai fait face au pavé numérique, mais j'ai pas essayé d'interagir avec la porte directement. J'avais peut-être la clé dans mon décodeur, je suis con. C'est la première chose que j'aurais dû essayer. Il faisait face à une porte, je sais pas laquelle. D'accord, c'est pas la porte de sortie, c'est quoi ça? J'ai pas le droit de... Ok. Je peux aller me faire voir. C'est quoi ça? Ah! Ah ah! Ah mais non, c'est pour aller à l'hélicoptère, ça. C'est l'héliport. Tu vas m'attendre un petit moment, Macoui, parce que j'ai une question sans réponse et ça me rend nerveux. Bah, tu peux couper les moteurs. Je te rejoins pas avant. Huh? Is there a problem? Just looking around. I checked her out. She's fueled up and ready to go. Is something wrong? Huh? No, I said I checked her out. You want the thing to run, right? You're gonna cross the ocean. Of course. Better safe than sorry. Bizarre. I fixed it right up for you. Something wrong? Un glow. J'apprécie le cadeau. To Savage. Sounds like Vandenberg may be in some trouble. Get in. Just a minute. Don't take all night. Il n'y a rien de particulier. Il a entièrement confiance dans son canon. De jumelles parce que je deviens fou là. Putain, il y a des mecs qui aiment chier comme ça.
mais il y a une balance, c'est pas possible. Je sais qu'on est à Paris, mais... Attends, il y a un mec du MJ12 au pied de l'immeuble de Evren. C'est pas possible. Friends ready to go. Got a pretty cush job, huh? Ready? No. Just a minute. Don't take all night. No, j'ai pas la conscience tranquille. On va reprendre l'escalier, mais là, il y a urgence, donc exception. Et là, il y a Sidonton qui n'a plus de marche. Awaiting authorization. Sur le canapé, il s'est cassé. Oh, j'avais pas vu. Alors, je m'en souvenais pas, je ne sais plus. Lors de la partie précédente. Mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs de planqué dans les. Mais c'est quoi ces. J'allais dire, c'est canapé. C'est quoi ces. Comment ça s'appelle ? C'est... Ah, j'en parle en latin. Ces structures en bois qui tiennent le toit, surtout dans la vieille maison. Charpente, voilà, je cherchais le mot. C'est quoi cette charpente? Who's Lucius De Beers? You do not know him? Someone who works for Everett. It is not for me to discuss Mr. De Beers. Why? Is there something to hide? He is a friend of Mr. Everett's and very sick. You must not disturb him or inquire about him. Sérieux? You missed dinner, but help yourself to a snack. Oui, merci, madame. Mais attends, le mec, il est disparu. The Echelon kernel was designed almost exclusively for collecting data, so we have to add functionality for memory wipes, threat termination, that kind of thing. Oh, il y a ces trucs. J'ai passé le matériel dans une organisation aujourd'hui en... Ah oui, en suspension, qu'est-ce que vous dites? Il y a possibilité de faire une analyse. Les codes sont 2384 et 6426. Merci pour la première remarque éventuelle. Voilà. 2384. C'était quoi l'autre? Je suis con, j'aurais dû pas arrêter son ordi. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? 64-26. 64-26. Quoi? Merde. Attends, j'ai bien lu. C'est dans sa... Mais oui, mais ça, j'ai déjà pris ça. C'est complètement con, je désactive à monter. Attends, il y a des trucs pas clairs. Everett me cache des choses. Tu m'en caches des choses. Hey, about your mechanic at the helipad. Something about him seemed a little off. Yes, Pierre. I haven't been able to reach him. What's wrong? Pierre. He sounded American to me. Pierre has never been to America. Who's up there?
He's not one of my people. I don't know, but he shouldn't be working on the chopper. You better get back to the helipad on the double. That man must be eliminated. One spy could wreck everything we're working for. I won't let him get away. Surveillance used to be daemon-based. Daedalus is more distributed. A blip of his code runs on every communication device on the planet. Tuer le soi-disant mécanicien qui s'est infiltré parmi les hommes de Vrett. Putain, c'est énorme. J'aurais pas fait mon fouille merde. J'aurais jamais déclenché ça. Comme quoi. Tiens, je vais le dire à l'informaticien. It's not often you get to construct a software worm that might do some good for the world. Il est aux fraises, Jacobson. Enfin, pour le moment. Je sais que je pourrais compter sur lui pour la suite, mais... J'ai aussi deux mots à rire à la bonne. Mais où est-ce qu'il est passé, l'autre ? Celui qui m'a acquis, il s'est cassé. I am not permitted to discuss Mr. De Beers. Bon bah, Monsieur De Beers, il m'a... Il me les a De Beers posés. D'accord, la porte d'entrée par le net. Oh là, ce robot me fait flipper. Putain, il y a gagné une chineuse. Attends, je vais sauvegarder, je crois qu'il va se passer un truc. Start talking. Who sent you? I don't know what you mean. You got a funny way of talking. Pierre. It wasn't me. He was dead when I got here. You've got 5 seconds to tell me who you work for. 1. 2. No one, man. No one. I didn't do it. You can faire quoi? Leave me alone. Everett and Tong will need some control of the network if they're ever going to come out of it. I took him down. The helipad is secure. Well, thank you. A small consolation. I would like to know how he got in here in the first place. If we control communications, we can organize and the other side cannot. Lack of organization is exactly what has plagued X-51. Oh, ça fait suer, j'ai rien sur son... Ah. Sur la fameuse porte, là, qui est... Ouais, déverrouillé. Qu'est-ce que je fais pour le déroulement de l'histoire? Est-ce que ça m'a pas apporté grand chose hein, de voir l'intelligence artificielle Je sais plus quoi faire, je sais plus quoi penser, je suis dans le flou.
pas une connerie du genre le code qui est indiqué dans le plafond. Y'a rien qui a bougé, ton ordi toujours le même. Bon. Avec des décodeurs là pour accès à l'intelligence artificielle, vous êtes sérieux les gens? Good luck at Vandenberg. Bye.
Comment c'est stylé. Mais l'autre clown, où est-ce qu'il est passé? Putain, de pas le voir, c'est un fou. Check your systems. That mechanic was an imposter. Yeah? Everett doesn't know him. What did he work on? The fuel system. Now that you mention it. Wait a minute. This isn't right. What isn't? Oh my god, JC, a bomb! A bomb? It's remote control. Hold on. Get out of there. Just have to pull this wire. There. Relax. I disabled the detonator. We can drop the thing in the Atlantic on the way back to the States. Make a good detective, JC. Ready to get out of here? Ah boum. Eh ben non, je fais un rapport à Everett. Just a minute. Don't take all night. Ouais, sauf que là, t'as fait crever en allant trop vite. Alors, je vais retourner voir Everett et l'informaticien, et même la bonne, pour leur dire qu'il y avait une bombe dans l'aéronef. Fumier, eux. Lui s'est fait graisser la patte par la Gilouza. Elle est où la bonne? I am not permitted to discuss Mr. De Beers. Ouais, bah, mes amitiés, Monsieur De Beers. M'en fous, je retourne les voir. Tellement je trace comme Usain Bolt, je suis furex. Attention, le chat, cache-toi. Sérieux, y a pas une clé derrière les canapés? Non, y'a rien là. Non, y'a rien. Y'a rien. C'est vrai, y'a rien. Putain, avec le capsule, y'avait une bombe dans l'hélicoptère. Some of the best scientists in the world have joined up with Savage. Oh là là. Bon, Everett, y'a des choses qui vont pas là. Mais fous-moi ton siège ailleurs. They're great scientists, but isolated. They left Area 51 to protest Majestic 12's experiments, and that's what it amounted to. A protest. J'ai une grosse envie. Show some respect. Mais il peut pas être assommé? Mais sérieux? Il peut pas être assommé? Il peut te tuer, ce mec? Are you crazy? Ah, il en a une! Intéressant, on peut pas tuer Everett. Tiens, tiens, c'est rigolo ça. I guess you weren't very interested in science when you were in school. Je pense que ça n'était pas votre fort à l'école. Donc c'est fini, c'est mal parlé. T'es immortel, mec. Putain, il est immortel, le gars. Ah. Petit malin. Ah, j'ai déjà envoyé par le chips. Merde. Oh non, merde. What did I do? Putain, c'est complètement
what the fuck, hein, ce que je fais, mais c'est marrant. They don't even coordinate with the NSF, which is headquartered a few hundred miles to the north. Permitted to discuss, Mr. De Beers. Je me demande si je loupe pas une séquence en. I am not permitted to discuss, Mr. Attends, De Beers. Dans les compétences. Attends, je tourne en rond comme un coup pour rien. Ancestors. You are a planned organism, the offspring of knowledge and imagination, rather than of individuals. I'm engineered, so what? My brother and I suspected as much while we were growing up.
You are carefully watched by many people. The unplanned organism is a question asked by nature and answered by death. You are another kind of question with another kind of answer. Are you programmed to invent riddles? I am a prototype for a much larger system. The heuristics language developed by Dr. Everett allows me to convey the highest and most succinct tier of any pyramidal construct of knowledge. How about a report on yourself? I was a prototype of Echelon 4. My instructions are to amuse visitors with information about themselves. I don't see anything amusing about spying on people. Human beings feel pleasure when they are watched. I have recorded their smiles as I tell them who they are. Some people just don't understand the dangers of indiscriminate surveillance. The need to be observed and understood has been satisfied by God. Now, we can implement the same functionality with data mining algorithms. Electronic surveillance hardly inspires reverence. Perhaps fear and obedience, but not reverence. God and the gods were apparitions of observation, judgment, and punishment. Other sentiments toward them were secondary. No one will ever worship a software entity peering at them through a camera. The human organism always worships. First, it was the gods. Then, it was fame, the observation and judgment of others. Next, it would be the self-aware system you have built to realize truly omnipresent observation and judgment. You underestimate humankind's love of freedom. The individual desires judgment. Without that desire, the cohesion of groups is impossible. Civilization. A human being created civilization, not because of a willingness, but because of a need to be assimilated into higher orders of structure and meaning. God was a dream of good government. You will soon have your God, and you will make it with your own hands. I was made to assist you. I am a prototype of a much larger system. While you're in the air, I guess I'll be hoping Everett prepared Daedalus for the attack. What's that computer system for? The one with the blue face for an interface. Oh, nothing. Just something for passing the time and amusing guests. It has access to quite a bit of information, including information about me. An old prototype, for Daedalus, actually. It doesn't really handle surveillance in its current state. So you have your own private echelon system. Mr. Denton, your pilot is waiting. Je commence à poser des questions merdantes, hein. You see the need for global organization. Someone has to bring these disparate groups together. Ah, finalement, j'ai bien fait de pirater le bordel. C'était quoi qui m'a dit? Non, c'est pas ça. Il m'a dit ajouter à la nanoclé quoi? Putain, j'ai 68 codes. Code du mécanisme au miroir. Code du mécanisme au miroir. Code du mécanisme au miroir. Ah, ça me va, il y a des miroirs. Ça. Ah! Oh, bordel! Oh bordel, j'ai eu la présence d'esprit. Non. Non mais c'est énorme. Oh bordel. What are you doing back here? Denton, right? Yeah. You're alive in that thing? I am conscious. Tell Everett I am cold. He keeps me so cold. Who are you? Do you mind if I ask? The Supreme Enlightened. Oh, putain. The leader of the Illuminati. I thought Everett was a leader.
I am the leader. I brought the Illuminati up through the 20th century to the height of their power. I had presidents and premiers eating out of my hand. I am the one. Our decline is the result of my own. All we need is for me to get back on my feet. What did Everett tell you? Nothing. I merely await certain technologies. Then I will be restored. Everett has sworn it. C'est juste énorme. He promised me. C'est juste énorme. C'est génial. So cool. Oh, j'ai mal pour lui. Tell Everett. La IS est un naufrage, hein, ma couille. Un bon du crédit, hein. Je m'attendais à une plus grosse somme, vu le pognon qu'il y a ici. Wouah, wouah, terminal de sécurité. Oh, tiens, je vais me gêner. Éteindre le système. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. Le pauvre, on peut le tuer. C'est horrible. Attends, c'était quoi ça? Merde, j'ai plus peur de s'en dire. Bête, n'hésitez pas à rendre visite à Morpheus pendant mon absence. Le code est 8001. Ah! C'est dans l'ordre là que j'aurais dû le faire. Je suis sûr que vous avez plein de choses à vous dire. Et ne vous occupez pas trop du sus, il se plaint à la moindre provocation. Putain. Il aurait fallu que je devine que c'était là. Oh, pour deux déconneurs, je sais. Attends. Je sauvegarde. Je vais pas l'éteindre. Je vais faire le test après, c'est dégueulasse. Du coup, ça correspond à quoi ça? C'est la même chose. En fait, c'est un doublon. D'accord. Oh putain. Je sais tout, madame. Elle est où, la femme de chambre? Je sais tout. Just cleaning up. Il ne fait que le ménage. Don't let Mr. Everett catch you snooping around. Ah, il va le savoir. J'ai une grosse question à lui poser. Je saurai tout. Attends, je vais d'abord tout dire à Jacob. The Echelon Colonel was designed almost exclusively for collecting data. J'ai encore quelques mots à trier. Lucius De Beer says he's cold. I know. 18 degrees Celsius, to be exact. Don't you think that's a little chilly? I keep his metabolism low so he will last. He is a good advisor. A one-man think tank, so to speak. He said he's the leader of the Illuminati. A harmless fantasy. He also thinks I'm going to restore his body. You aren't? The technology has been around for decades, but he does not need to know that. Okay, well. X-51 has assembled excellent technology. They just need someone to help them use it. Alors là, Everett, tu vaux pas plus qu'un terroriste. Hein. Waouh, j'ai bien fait de m'attarder dans le coin.
matin, mon pauvre vieux, si tu savais. Where is he? I will remember these small injustices. When I am revived, I will remember. Everett has no intention of reviving you. He must. He has been commanded. He keeps you on ice so that he can benefit from your experience. But he intends to rule the Order himself. No. No. I will not allow it. If I only had command of my body. Now even Everett betrays the Illuminati. Can no one be trusted? C'est triste. Hein? Young Dim, use the computer to my left. Find a way to shut me down. All I wanted was to touch the world one more time. Take one more breath of air. C'est horrible. I will not be a prisoner. I command you. Kill me. I command you. I command you. Attends, je vais aller revoir une dernière fois. Oh putain, con. J'ai oublié que j'avais refermé la vitre. Je suis désolé. Merde. Faut dire aussi, je suis un peu vénère. Just cleaning up. Ah bah t'as du boulot, ma vieille. Je te le dis. Va falloir ramasser les morceaux. Oh le con. Elle est bonne. Ah trop bien. Putain, c'est excellent que c'était programmé. Comment que j'ai défoncé le bordel. It's not often you get to construct a software worm that might do some good for the world. Tiens, je vais même le dire à l'intelligence artificielle. Ah oui, merde, ça j'avais piraté. Le 8001 là. Alors. Oh merde. Il est vraiment limité ce con. Une dernière chose à dire. Everett and Tong will need some control of the network. Quelque chose à dire. You will be my representative at the. Oh merde. Effectivement, j'aurais dû achever le vieux. Je l'ai achevé le malheureux. Je vais aller dire ensuite à Everett de nouveau que j'ai achevé le malheureux. Par acquis de conscience, je vais lui demander une dernière fois s'il est vraiment certain de vouloir mourir. Command you. Allez, tu vas t'exaucer maintenant. Paix à ton âme. Arg. Les dernières paroles de Lucius. Là, t'es sadique. Réactiver le. Ouais. Ah, c'est terrible. Paix à ton âme, mec. Shift Bears. Il est mort. Bonne salope. Qu'est-ce qui me contacte? What did I tell you? That was my former colleague, my friend. I knew he wasn't doing very well and he was in pain, but I wanted to keep him alive. Stop messing with my equipment and get to the helicopter. Ami, putain, il avait crevé. Don't let Mr. Everett catch you snooping around. Mais il méritait que je lui casse la gueule, lui. Sauf qu'il est immortel. Parce qu'il a du sang à base de scénarium. Donc tu peux pas le tuer. Toi, pareil, t'as toujours rien good à luck, dire. Good luck, Vandenberg. Ouais, merci, merci. C'est marrant, je suis moins pressé d'y aller maintenant. Ouais, bon, d'accord.
putain, j'aurais passé encore une heure ici, mais ça valait le coup. Viens par ici, Everett, que je t'engueule. I will trust you to find a way to manufacture the cure. Ouais, ouais. Meanwhile, I have other preparations to make. Snipers heard your helicopter and took off. You guys saved my life. I'm glad you're all right. Why is Majestic 12 attacking? You with the NSF? We have a common enemy, if that's what you mean. MJ-12 is short, and you see. They lost the one in Hong Kong, and now something has happened to the Pasadena Ocean Lab. Are the Vandenberg labs safe? The base is locked down until we can destroy the enemy bots. Unfortunately, MJ-12 disabled our own bot defense system, and no one has been able to activate the backup power. I could give it a shot. Where are the controls? There are two separate units at the west end of the base. It won't be easy. MJ-12 has hacked the security grid and taken control of nearly all of our defenses. Turrets, cameras, alarms, and they have snipers everywhere. Easier than a straight fight with military bots. I suppose you're right. I can give you a map. One of the units is in the main complex. The other one is in an exposed location. The activation code is 5868. One of the control units is outside to the southwest. The other one's in the transformer room. Je dis suite au prochain épisode. Oh là, le bordel. Alors, je reviens pas de ce que j'ai découvert. C'est la première fois que je le découvre, hein, alors que c'est pas la première fois que je fais le jeu. Mais là, je jouais tellement bien que... Ah, j'en reviens pas. C'est juste excellent le truc.